amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ce set, donc le set 76103 Corvus Glaive Thresher Attack. Vous l'avez déjà présenté quand la wave Avengers Infinity War était sortie en mars 2018. Mais je me suis dit pourquoi pas en attendant les sets Avengers Endgame, comme il y avait de bonnes occasions et tout ça, j'ai reçu la double ce set. Donc comme je l'avais déjà, je me suis dit je vais le construire, mais je vais le construire à l'envers et je vais vous montrer le résultat. Vous allez voir, c'est vraiment super. Voilà, lui, c'est le set original que je vous avais présenté en mars dernier. Donc, ce qu'il y a de pas mal, c'est que ça me fait à double. Donc, Shuri, Vision, Black Panther, Corvus Glaive et le Chitauri. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai construit le set exactement pareil, mais à l'envers. Donc, c'était assez drôle de faire à l'envers. Ça déstabilise vraiment de suivre le manuel, mais en même temps de faire à l'envers. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait un clips. Et donc, ce qu'on va faire, je vais reculer un peu la caméra pour qu'on voit tout. Et on va clipser les deux murs ensemble. Donc si je recule. Donc là, vous voyez que c'est fait vraiment un bon gros mur du Wakanda. Donc là, pour que les Outriders, tout ça, viennent attaquer Wakanda, c'est assez compliqué. Il est vraiment bien défendu comme ça. Donc là, vous voyez la taille. Et ce que j'aime vraiment faire, c'est le mettre comme ça. Donc dans ma zone où j'avais mis les 7 Avengers pour faire un espèce de display, et bien en fait j'ai mis comme ça. Hop, et là vous mettez Shuri par exemple. Enfin Black Panther, pardon, Vision. Et Shuri. Donc voilà, ça fait vraiment un bon spot. Infinity War avec tout le Wakanda là. Une belle grosse muraille. Et du coup, bah vu derrière, il y a... Ça fait de la place, c'est pas trop mal. Ça fait deux bons labos. Voilà. Avec ordinateur, tout ça. Deux portes. Les accessoires, deux tourelles du coup. Un bon long... comment on pourrait appeler ça? Chemin extérieur en haut là, avec les barrières. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment cool. Et au final, je suis assez content du résultat de l'avoir rajouté à double. Et du coup, ça me ferait presque même hésiter, maintenant qu'on a vu les visuels Endgame que j'ai trouvé, à acheter par exemple deux fois l'Armor Room et en faire une grosse, ou alors deux fois le campement et en faire un gros en doublant. Je sais pas, on verra. Peut-être en promo, parce que vu qu'elles sont déjà chères, ça suffit de l'avoir déjà pour l'instant une fois. Et là, c'était vraiment une bonne occasion et du coup, je suis vraiment très content du... résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça donne bien les deux murs ensemble. Donc fallait le construire à l'envers, c'est tout. C'était la seule chose à faire pour assembler ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à liker, à regarder toutes mes autres vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.